Messieurs, amis internautes, bonjour, bienvenue à ce titrologue de ce jeudi 23 septembre 2021. Conseil des ministres, stade de Yamoussoukro, le gouvernement ordonne la mise aux normes de la CAF et de la FIF, peut-on lire à la une du journal Fraternité Matin. Un expert du Bénet formel, dans 2 mois, nous aurons un stade homologué et opérationnel. Pour l'heure, le match Côte d'Ivoire-Malawi se jouera au Bénin. Plus de détails dans Fraternité Matin. Administration publique offensive contre la corruption, le bon combat de Ouattara, par à sa une le journal Le Patriote. Pourquoi le chef de l'État a décidé de frapper fort? La réponse à lire dans Le Quotidien. Nous avons grandi ensemble et nous évoluons toujours ensemble, main dans la main. Toujours aussi proche et encore plus innovant. Pour vous faire profiter, ainsi qu'à vos proches et à toute la Côte d'Ivoire, des meilleures avancées technologiques, pour une meilleure qualité de service. Banque Populaire, partout, proche de vous. Au-delà de la surenchère et de la propagande politicienne, RHDP, panne sèche de personnel politique, affiche le nouveau réveil à sa une. À 75 ans, le PDCI nage dans la dynamique. À 2 ans, le RHDP est en proie au doute. Qu'est-ce qui fonde cette assertion? La réponse à retrouver dans le nouveau réveil. Merci de votre aimable attention et à demain.